Pour le diagnostic de performance énergétique, savez-vous pourquoi une maison de 1920 a de fortes chances d'être mieux notée qu'une maison de 1950? Eh oui, dans le cadre du diagnostic de performance énergétique, la date de construction de la maison a son importance et vous allez comprendre pourquoi. Avant les années 40, il faut savoir que les maisons étaient construites de manière traditionnelle, avec des matériaux comme de la pierre ou de la brique. La capacité d'isolation de la pierre ou de la brique est déjà bien plus importante que certains matériaux comme la brique creuse. Par conséquent, une maison construite avant les années 40 bénéficiera de cet avantage. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, s'est entamée une énorme période de reconstruction. Et là, ça a été le festival. Il s'agissait de reconstruire vite, à moindre coût. Par conséquent, ça a construit à tout va, sans vraiment prêter attention à la consommation énergétique. Les maisons construites entre la fin des années 40 et la fin des années 70 sont donc désavantagées en termes de cotation énergétique. Après le premier choc pétrolier, on s'est vite rendu compte qu'une maison mal isolée était très consommatrice de pétrole. Apparaissent alors les embryons de la quête à l'économie d'énergie. Depuis le début des années 80, nous sommes particulièrement attentifs à la qualité des matériaux et aux soins apportés à l'isolation d'un logement. Il est donc important, avant l'intervention de votre diagnostiqueur, de connaître l'année de construction de la maison. Mieux encore, si vous connaissez la qualité et la nature de l'isolation employée pour la rénovation de votre bien, ça ne peut être que positif pour votre diagnostic de performance énergétique. Le pire exemple qui puisse vous arriver, c'est d'avoir une maison des années 50 pour laquelle vous ne connaissez absolument pas la nature de votre isolation. Le diagnostiqueur mettrait donc une notation par défaut, ce qui voudrait dire que vous avez une isolation des années 50 qui n'est pas forcément la meilleure. Cela dit, pour les acheteurs, ne vous empêchez pas de visiter une maison classée E. Il se peut très bien que le propriétaire ne connaisse pas ce qu'il se passe derrière ses murs. Par conséquent, la maison est dégradée alors que l'isolation est excellente. Il y a fort à parier qu'une maison des années 20, voire une maison des années 50, a été rénovée depuis le temps. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques informations utiles avec cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, avant de faire passer votre diagnostiqueur, prenez le temps de connaître la date de construction de votre maison. A plus pour une nouvelle vidéo IMO.